أعزائي طلاب وطالبات الصف الحادي عشر أدبي أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من دروس اللغة الفرنسية اليوم سوف نبدأ الملف الخامس وسوف نتعرف على مفرداته وتطبيقاته فاصل قصير ونعاود Chers élèves, bonjour. Nous allons commencer avec le dossier 5. Le titre de ce dossier s'appelle « L'arrivée à Paris ». On commence avec la compréhension. Attention, on va commencer à poser des questions. Écoutez bien et regardez bien. Où arrivent les amis kouétiens Les amis kouétiens Hassan et Mouna, ils arrivent où, à votre avis Regardez les images. Oui, les amis coétiens arrivent à l'aéroport de Paris. Donc, ils vont voyager en France et ils arrivent à l'aéroport de Paris. Regardez l'image devant vous. Qui La personne Qui les attend à l'aéroport de Paris À votre avis, c'est qui Monsieur Martin donc, M. Martin les attend à l'aéroport de Paris. De quoi est-ce qu'on va parler? Regardez les, les images là. On va parler de quoi dans ce dossier? Bien sûr, dans le dossier 5, on va parler de logement, d'accord? Et de la météo. Donc les deux, objets, les deux sujets sont les logements et la météo. De logement et de la météo. Maintenant, on va commencer avec le dialogue. À l'aéroport de Paris, c'est le titre de dossier. Le dialogue passe entre Jean-Pierre, Hassan et Mona. Allez, on écoute bien. Jean-Pierre, voilà les amis québécois. Hassan et Mona, bonjour Monsieur. Salut Jean-Pierre, ça va Brigitte Brigitte, ça va très bien, merci. Vous êtes fatiguée Hassan, non, pas du tout. Le voyage était parfait. Monsieur Martin, venez. La voiture est dans le parking. Mona, vous habitez loin d'ici? Loin d'ici. Brigitte, non. Notre maison est à 20 km de Paris. Mona, il fait un temps superbe. Il fait un temps superbe. Brigitte. Et au Kuwait, quel temps fait-il maintenant? Au Kuwait, quel temps fait-il maintenant? Hassan. Hier, la température a dépassé 45 degrés. Jean-Pierre. Oh non, c'est trop! On continue avec le dialogue. Les amis arrivent à la maison. À la maison de la famille Martin. Madame Martin, bonjour. Bienvenue en France. Entrez. Hassan, merci madame. Heureux de vous voir. Brigitte, venez. Je vous montre la maison. Brigitte, voilà le salon. La cuisine. Répétez après moi. La cuisine. Et la salle à manger. La salle à manger. Répétez. La salle à manger. Mona, où est-ce que ta chambre, Brigitte? Brigitte, c'est au douzième étage. Premier étage, douzième étage. Répétez après moi. Douzième étage. Très bien. Allez, on continue. Il monte. Il monte au douzième étage. Brigitte. À gauche, c'est la chambre de Jérôme. À gauche, c'est la chambre de Jérôme. Là-bas. Là-bas. C'est la chambre des parents. Là-bas, c'est la chambre des parents. Hassan, et toi, tu n'as pas de chambre, Jean-Pierre? Jean-Pierre, si, c'est en haut. L'ancien grenier est maintenant mon petit studio. L'ancien grenier est maintenant mon petit studio. Nous avons terminé avec le dialogue. Allez, regardez bien. D'après le dialogue, l'arrivée à Paris, notre dialogue, tout répond aux questions suivantes. On va vous poser des questions. Où 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 est-ce que les amis kuwaitiens arrivent À votre avis, ils arrivent où Dans quel pays ils arrivent Dans quelle ville ils arrivent Allez. Bien sûr, ils arrivent à Paris. Donc où ça ne donne Paris Qui Quelle personne Qui les attend à l'aéroport Qui est à l'aéroport pour les attendre À votre avis, réfléchissez, c'est qui Bien sûr, la famille Martin. Donc la famille Martin les attend à l'aéroport. Allez troisième question. Comment est le voyage? Le voyage était comment? Bien, pas bien, etc. Le voyage était parfait, était super, était très bien. Donc, le voyage est parfait. Où? Où se trouve la voiture des Martins? Où se trouve la voiture des Martins? À votre avis? D'habitude, les voitures sont où Bien sûr, elle est dans le parking. Elle est dans le parking. Répétez, parking. Oui, très bien. On continue. Quel temps fait-il à Paris À Paris, il fait quel temps Et au Kuwait. Donc, on va voir le temps. Il fait comment à Paris et au Kuwait. À Paris, il fait un temps superbe. Très bien, il fait très beau à Paris. Au Kuwait, la température a dépassé 45 degrés. Où est la maison des Martin Elle est où la maison Réfléchissez. Elle est à 20 km de Paris. Elle est à 20 km de Paris. On est arrivé à la maison. Que fait Brigitte Elle est, qu'est-ce qu'elle dit aux amis Elle montre. tarov, Elle montre la maison aux amis. Donc, Brigitte, elle montre la maison aux amis. On continue. À quel étage, À quel étage est la chambre de Brigitte Elle réfléchissait. La chambre de Brigitte est au douzième étage. La maison de Brigitte est au douzième étage. Répétez après moi. Douzième étage. Très bien. Où où habite Jean-Pierre maintenant? Il habite au grenier. Il habite au grenier. Répétez au grenier. Donc il habite au grenier. Maintenant il a son petit studio. D'accord. Donc il habite au grenier. Maintenant il a son petit studio. Que souhaite M. Martin aux amis kouétiens? Il souhaite Yatamena. Que souhaite Mme Martin aux amis kouétiens? Réfléchissez, qu'est-ce qu'elle a dit Allez, bien sûr, elle leur souhaite une bonne arrivée. Une bonne arrivée. On va commencer maintenant avec le vocabulaire. Allez. Regardez l'image. Nous avons les fleurs, les montagnes, la rivière. On va parler de la météo. Le chaque Attention, quel temps fait-il à Paris? Donc, quand on parle de météo, on dit, on pose Quel temps fait-il à Paris? Regardez, à Paris, il fait quoi? Oui. Il fait un temps superbe. Donc à Paris, il fait un temps superbe. Fleurs, nous avons les fleurs, etc. Donc il fait beau temps. Quand je dis il fait un temps superbe, c'est le même mot. Mouradouf, il fait beau temps. Aussi, je peux dire il fait frais. Donc, il fait un ton superbe, le même sens si je dis il fait beau temps et le même sens si, si je dis il fait frais. Donc, regardez bien, superbe, égal, beau, égal, frais. D'accord Répétez, superbe. Très bien, répétez, beau. Excellent. Et encore, répétez, frais. Très bien. Allez, on continue. Regardez l'image. Quel temps fait-il en été En été, la plage, il fait chaud et tout ça. Quel temps fait-il en été Donc, il fait chaud. Et encore, la température est haute. Répétez après moi, la température est haute. Et quand je dis haute, ça peut être... 45 degrés, elle est haute. Et encore, il fait soleil. Répétez après moi, il fait soleil. Très bien. Donc, là, on regarde. Regardez l'image. Quel temps fait-il en hiver Là, nous sommes en hiver. Quel temps fait-il en hiver Il fait froid. En hiver, il fait froid. Répétez. Il fait froid. La température est basse. La te température est basse. Et là, je dis 3 degrés. Donc, il fait froid. On continue. Il fait gris. Donc, répétez après moi. Il fait gris. Il fait froid. Température est basse. En hiver, quel temps fait-il Il pleut. En hiver, il pleut. Répétez, il pleut. Très bien. Allez, il y a de la pluie. Très bien. Il neige. Regardez, il pleut et il neige. Répétez, il neige. Très bien. Il gèle. Il gèle. Très bien. Donc, en hiver, nous, regardez les images, c'est en hiver. En hiver aussi, en hiver, il fait mauvais temps. Il fait mauvais temps. Il y a de vent. Hawa. Il y a de vent. Donc, il fait mauvais temps. Comment est la mer? Qu'est-ce que ça veut dire la mer? Regardez le Bahar. Comment c'est? Comment est la mer? En été, la mer est calme. Répétez après moi. La mer est calme. Oui, très bien. Et là, en hiver, comment est la mer? En hiver, la mer est agitée. Oui, répétez. La mer est agitée. Donc calme, attention, le mot opposé c'est agité, d'accord Allez. Regardez ce sont des sens opposés. Regardez l'image. Donc là, on va continuer avec les sens opposés, sens opposés des mots. Il fait froid, opposé chaud. Froid, répétez froid. Chaud, répétez, chaud. Très bien. Bas, attention, bas, basse. Le mot opposé, haut, haute. D'accord Allez. La mer, agitée, calme. Agitée, calme. Très bien. Maintenant, on va parler de logement. Second, d'accord? C'est quelle pièce? Regardez l'image. C'est quelle pièce? Est-ce que c'est le salon? Elle La salle à manger. Répétez après moi. La salle à manger. Très bien. Et là, c'est quelle pièce? La salle à manger? Non. La cuisine. Répétez, la cuisine. Oui. Et là, c'est quelle pièce Bien sûr, le salon. Répétez, le salon. Et là, ce n'est pas un salon. C'est la salle de bain. Répétez, la salle de bain. Très bien, excellent. Et là, c'est quelle pièce Bien sûr, la chambre. Répétez, la chambre. Oui, très bien. Elle est. C'est où C'est en haut. Opposé, en bas. Oui. À gauche. À droite. D'accord Donc, répétez. En haut. Très bien. En bas. Excellent. À gauche, à droite. Très bien. Où est la maison des Martin Elle est la maison de Martin et l'aéroport. La maison est loin de l'aéroport. Oui. Où est la maison des Martin Donc, la maison est près de l'aéroport la maison est loin de l'aéroport. la maison est près de l'aéroport. donc, regardez loin. répétez. loin. très bien. le sens opposé, c'est près. près. très bien. regardez la maison. d'accord. les pièces de la maison. l'oraf. là, nous avons la salle de bain. Répétez, la salle de bain. Oui. Et là, un grenier. Attention, un grenier. D'accord, c'est en haut là-bas. Le bureau, avec l'ordinateur. Le bureau, très bien. Une chambre, chambre à cocher. Une chambre. Regardez. Une cuisine. Répétez, une cuisine. Très bien. Et à la fin, un salon. Un salon. Donc là, nous avons les pièces de la maison. N'oubliez pas, les pièces de la maison. On va commencer à faire des listes. Tu fais une liste des pièces de logement. Pièces de logement, on vient de les voir. À la maison, il y a quoi quelles sont les pièces Bien sûr, à la maison, il y a une chambre à coucher. Et encore, réfléchissez bien, il y a quoi Regardez, une salle de bain, très bien. Et encore, une salle à manger, très bien. Une cuisine, oui. Et encore, un salon, bien sûr. Un jardin, oui, avec des fleurs. Et à la fin, un bureau avec l'ordinateur. D'accord N'oubliez pas les pièces de, euh, de logement. Regardez l'image. C'est quoi C'est un jardin avec des fleurs. Allez, l'immeuble, les étages. On va commencer avec l'immeuble. Il y a des appartements. Dans l'immeuble, il y a des appartements. Répétez appartements. Oui. Et encore, nous avons premier étage. Répétez premier étage. Très bien. Donc là, c'est l'immeuble. Tu fais une liste des types de logements. Nous avons des logements et leur type. Donc, j'habite. Allez. Pardon, j'habite. Vous habitez où? Une chambre. Oui, on peut habiter dans une chambre. Et encore, les types de logements. Une villa, bien sûr. Et encore, une maison. Oui, un appartement. Un immeuble. Imara, oui. Un studio. Donc, attention, les types de logements. Une chambre, une villa, une maison, un appartement, un immeuble, un studio. Allez, on continue. Tu observes, puis tu complètes les phrases. Réfléchissez. Au mois de juillet, au mois de juillet, il fait au Kuwait juillet. Vous vous rappelez les mois Juin, juillet, août, septembre, donc mois de juillet, il fait, il fait chaud au Koweït, bien sûr. La température est, la température est haute. Oui, c'est sûr. En France, il fait, regardez l'image, il fait, il fait Bon, il fait très beau, bien sûr. Aux États-Unis. Aux États-Unis. Allez, regardez l'image. Il y a... Il y a quoi? Réfléchissez. Oui, bien sûr. Il y a de vent. Oui, hawa, il y a de vent. Regardez les images. Il en Australie. Qu'est-ce qu'il y a en Australie? Il neige, oui, regardez, tout blanc. Il neige, oui. On commence avec les exercices. Écoutez bien. Tu choisis la bonne réponse. D'accord Donc, nous avons trois réponses. Et tu choisis la bonne réponse. Au printemps, il fait, il fait comment au Kuwait Est-ce qu'il fait très chaud Est-ce qu'il fait très froid ou très beau à votre avis, Elle est? Oui, bien sûr, il fait au printemps, il fait très chaud au Kuwait. Oui. Tu choisis la bonne réponse: en hiver. Elle est en hiver. Quel temps il fait en hiver? Elle est la température est basse? La table est basse, la table, ou la température n'est pas basse. À votre avis, en hiver, regardez. Oui, bien sûr, en hiver, la température est basse. Oui, on continue. Quand il y a de vent De vent, c'est quand La première réponse, la mer est calme. La mer, attention, maman la mer est calme, la mer est souvent agitée ou la mer est très calme. Attention, allez, réfléchissez. Oui, bien sûr. Quand il y a de vent, la mer est souvent agitée, d'accord Oui. On continue. Dans cette maison, une maison, il y a... Une pièce de théâtre, il y a quatre pièces et deux salles de bain. Ou il y a deux pièces de monnaie. Attention, pièces de monnaie pour payer. Allez, réfléchissez, dans une maison, qu'est-ce qu'il y a Bien sûr, dans cette maison, il y a quatre pièces et deux salles de bain. Oui, très bien. وقد تناولنا الدرس الخامس ومفرداته والكلمات التضاد والترادف وكيفية استخدامهم. أتمنى أن نراكم في حلقة جديدة وأرجو مراجعة ما تم إعطائه من مفردات والى اللقاء في حلقة جديدة. ميرسي أورفوار بون شونس